Tov, Erev Tov. Hashem Hashem, Naseh Benatzliach, Lagdil Toro, Ladira. Nous sommes ce soir, mardi soir, le cours pour les femmes, le Kafbet, puisque nous sommes le soir du mois de Shvat, et le 10 toujours en français du mois de février. Ce shiur sera dédié à Bezrat Hashem pour la Russie de Raphaël Chamias, et ainsi que Guy Azoulay, Bezrat Hashem et tous ceux qui nous soutiennent. Lagdil Toro, Ladira, pour faire grandir le nom de Dieu sur terre, qui est le principal but de notre existence, faire connaître Hachem, Am Segula. Ce soir, on étudiera dans les signes astro, le mois, et je reviendrai toujours sur cette explication primordiale pour ceux qui n'ont pas vu les autres shiurim, de comprendre quel est le but de ce shiur, le but de ce que nous apprenons, comme tous les autres signes que nous avons élaborés ensemble, grâce au livre de nos sages, référencé par le Ari Akadosh, le Sefer Yetzira et des fois le Zohar, sont des cours qui définissent les caractéristiques et non pas le mazal, car le mazal d'un juif peut changer à tout moment. À partir du moment où un juif fait de la tzedaka, il peut augmenter son mazal. Et à partir du moment où un juif fait une faute dans le domaine des yeux ou chas v'shalom du lachonara ou autre, eh bien il peut perdre ce qu'il a acquis ou ce que son mazal pouvait lui déclarer. Comme quelqu'un qui parlerait dans une synagogue peut détruire son mazal. La Gemara dans Maseret Shabbat nous dit que celui qui dit « Amen yeh shemeraba » de tout son cœur, peut annuler 70 années de décrets terribles sur lui parce qu'il aura bien répondu à Amen et Shemera. En deux mots, en une seconde, on peut changer constamment notre destinée. Ça dépend de nos actions. En Mazal et Israël. Seulement, ce qu'on étudie, nous, ce n'est pas la notion de chance ou malchance qu'on étudie, c'est le caractéristique de celui qui rentrera dans le couloir du moi qui correspond à l'influence du Mazal, de la planète, de la pierre, de la tribu, du personnage, qui va influencer sur lui. Ce que l'on peut découvrir avec ou sans moi dans le cours, c'est que nos enfants sont tous menés en général, et je le souhaite, d'un même père, d'une même mère et d'un même père, certes, mais ils sont complètement différents les uns des autres. Tu peux avoir un fils qui est extravagant, on ne peut plus, je me montre, et l'autre qui est un peu plus timide, qui n'ose même pas respirer pour exister. Comment se fait-il que ces deux personnages soient nés dans la même éducation, même père, même mère, et que de l'autre côté, ils soient si différents, un qui étudie à l'école, l'autre qui est... on ne peut plus catastrophique, l'autre les flics, l'autre qui est voyou. On ne comprend pas pourquoi. Il fait froid, tu dis. Tu sais que le Rambam Eliyahu disait que c'est du lachonara de dire qu'il fait froid en Israël. Il fait chaud en Israël. Ah, c'est ça qui te dérange. Très bien. D'accord, alors je vais l'arrêter et je reviens. Il n'y a que toi pour me faire des trucs pareils. Oui, bien sûr. Oui. Alors oui, tu as raison de le préciser. Tu as raison de le dire à voix haute. On ne parle pas des mois laïcs. Je reçois beaucoup de mails, mais alors vraiment beaucoup de mails, en me disant, je suis né au mois de janvier, février, mars, avril, peu importe, mais en hébreu, ça fait ça. Non. Les mois français ne sont pas concernés par le cours que nous faisons. Les mois français de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, là, n'ont rien à voir avec l'astrologie, si je peux par exemple employer ce mot si péjoratif dans le monde juif. Mais on parle uniquement des mois hébraïques. Donc cessez de me poser cette question. Regardez, quand vous êtes né aujourd'hui sur l'ordinateur en tapant sur Google votre calendrier juif, vous tapez votre date de naissance et vous saurez exactement à quel mois vous correspondez. C'est aussi simple que ça. Il faut avoir simplement deux yeux et un doigt pour le faire. Donc faites-le et vous saurez sur quel signe vous pouvez tomber. Alors, en français, par exemple, ça ne tombe jamais du 1er janvier au 30 janvier ou 28 janvier. C'est début de mois, fin de mois. En hébreu, sachez-le, oui. C'est-à-dire, si tu es né le 1er Nissan, ben tu es bélier. Si tu es né le 1er du mois de Iyar, ben tu es taureau. Tu es passé à un autre. Celui qui est né à Rosh Chodesh quand ça tombe qu'un seul jour, alors lui par contre, c'est vrai que ça change un peu pour lui, parce que d'être né Rosh Chodesh, quand il y a deux jours, ça signifie que le 30e jour appartient en réalité à quel mois ? Au précédent. Et que le deuxième jour de Rosh Chodesh appartient au deuxième. Donc tout simplement, si tu es né le premier des deux jours de Rosh Chodesh, parce que des fois Rosh Chodesh c'est un jour, des fois c'est deux jours, si tu es né le premier du Rosh Chodesh, Iyar, mais tu es le premier, en réalité c'est le 30e jour du mois de Nissan. Alors dans ce cas-là, c'est un exemple que je donne, hein, bien sûr, juste pour comprendre l'idée, eh bien tu es bélier. Mais tu es bélier malgré tout avec une ombre
de la manifestation du comportement d'un taureau. Et si tu es né le Rosh Chodesh, automatiquement tu es passé dans l'autre cercle du comportement, c'est-à-dire que le couloir de l'influence dans lequel tu vas naître, le moi dans lequel tu vas naître, eh bien, te donnera la généralité qu'on va étudier ensemble et te demandera aussi les perfections, car vous savez que comme nous naissons, nous allons naître avec des choses, le but c'est de les améliorer, de quitter ces mauvaises tendances et de s'améliorer. En d'autres termes, est-ce qu'on sera capable de passer d'un homme tel qu'on a été créé? Vous connaissez la phrase dans les disputes très souvent proclamée. Écoute mon pote, je suis comme ça, je suis comme je suis, ça te convient ou pas, c'est pareil. C'est anti-Torah de parler comme ça. Les gens ne le savent pas, même si dans l'absolu il est certain qu'on n'est pas là pour changer les autres. Mais de penser que ce qu'on est, c'est ce qu'on est, que tu veuilles ou pas, c'est exactement l'opposé absolu de la Torah. Dans la Torah, comme je l'ai expliqué ce matin à une chavruta, si on peut avoir un peu de silence, ce serait sympa un moment. Merci, sinon vous faire un petit café. Juste pour qu'on se comprenne, la notion de ce que je vais expliquer ce matin, j'ai un ami, donc un avraire qui vient me voir ce matin, il me dit mes qualités. Je lui dis, écoute, tu me saoules. Ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes. Tu as un cœur extraordinaire, tu suscites, je m'en fous. Lui. Tu m'intéresseras le jour où tu viendras me critiquer. En tant que Ravruta, si tu viens me dire ce que je sais déjà ou ce qui sont mes qualités, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me fait pas avancer. T'es bien, t'es machin, on s'en fout. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir où sont mes défauts pour les améliorer. Ce que fait parfaitement mon épouse. Qui me dit, par exemple, là, t'as été impatient, là, t'as été... Baruch HaShem, c'est comme ça qu'on peut évoluer et réparer ses erreurs. C'est le but. Donc, ne vous fâchez pas quand vos maris vous disent, vous êtes comme ceci, comme cela, vous avez deux façons d'agir. Bon, trop, c'est insupportable, bien sûr. Mais première façon d'agir, c'est « Ah, ok, ben, je vais essayer d'arranger. Intéressant. » Deuxième option, c'est « Je vais arranger, mais toi aussi, je sais pas si tu as vu ton comportement. » Ça peut être aussi très intéressant de l'écouter de l'autre côté. Mais le but, c'est de savoir à qui on parle et comment on construit. Et quoi qu'il advienne, ce qui aide beaucoup dans ce genre de cours, c'est que quand... Si par exemple, quelqu'un apprenait parfaitement tous les mois par cœur. Le livre des noms que je t'ai montré, qui définit comment sera le personnage, le nom et le moi, ensemble, tu as parfaitement compris qui est le personnage. Donc, avant même de le rencontrer, tu sauras exactement comment lui parler. Et comprendre que, par exemple, les deux noms que tu m'as donnés pour la naissance de ton fils, si Dieu veut, eh bien, on l'a déjà défini qui sera Mida, ceci, cela, s'il sera patient ou pas. Pourquoi? Parce que les noms, c'est l'identité de l'âme. Donc, les noms influencent sur l'âme. Donc, automatiquement, quand tu as... On peut, mais c'est exactement ce que font les Mekoubalim, les faux Mekoubalim. Ils apprennent ce genre de livre par cœur, et quand bien la personne dit nom, prénom, et là ils font abracadabruc, et ils te sortent des choses, et là tu es comme ça. Ah, waouh! Un autographe, t'es comme un fou, tu te rends compte ce qu'il m'a dit sur moi, c'est tellement bête. Et t'as la larme à l'œil, mais est-ce que t'as avancé dans ta Yirat Shamaim? Rien du tout. T'es simplement content d'avoir rencontré Madame Soleil avec une barbe et un chapeau. Mais ce n'est pas du tout le but de ce shiur. Le but de ce shiur, c'est de pouvoir atteindre la ahavatrinam. Et la ahavatrinam, aimer l'autre, ne peut être atteint que dans un seul sens. Si tu sais pourquoi il est comme ça. Par exemple, des fois, tu vois une personne qui va parler avec une autre personne, très brièvement, je finis avec ça pour la préface et j'attaque le cours, mais... Et je te dis, écoute, ne parle pas maintenant, il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, et risque mal de te répondre. Le mec va quand même le voir, lui répond mal. Il le prend mal à ce moment-là? Non, il a été prévenu. Le but de ce chiour, comprenez-le bien, c'est de prévenir que quand tu as un enfant qui naît selon certains noms, il y a des noms par exemple qui engendrent des difficultés dans le personnage. Tu changes de nom, et ça, il faut être comme le Rav André Eliyahu pour savoir quel nom donner, ou le Rav Ovadia Yosef, il faut être un grand Torah, pas n'importe qui peut changer le nom. Eh bien, tu vas influencer sur le personnage. Donc des fois, quand on donne des noms, il est bon que on vérifie qu'il n'y ait pas trop de Midat Hadin. Dan, par exemple, c'est Midat Hadin. Donc, quand tu disputes avec un mec qui s'appelle Dan, ça peut très vite se traduire par « je te donne les talons, je m'en vais, j'ai pas besoin de toi dans la vie. » Parce que je t'ai jugé. Dan, qui vient du mot « ladoun », jugé. Imagine le mec qui s'appelle Dan Eliyahu. T'es foutu. Eliyahu, c'est la jalousie, c'est l'extrême,
c'est quelqu'un que, en général, sont des gens très intelligents, qui s'appelle Eliaou. En plus, il s'appelle Dan comme deuxième nom. C'est-à-dire, le mec, il est Volkswagen. Il t'a condamné et il est le flic lui-même. Ça veut dire, il est Dan et en plus, il est Eliaou. Celui qui prend les responsabilités de trancher pour le peuple. Donc, ce sont des noms qui sont durs. Prendre des noms qui sont doux. Il y a les mois. En plus, ce qu'on fait, nous, c'est la généralité du mois. On ne fait même pas les jours du mois, ou les heures, ou les minutes, ou les secondes. Parce que dans le livre, ici, on parle de tout. Pas dans ce livre-là. J'ai d'autres livres où on parle jusqu'à la seconde près. Quel est l'ange qui dirige ce moment-là précis? Quel est vraiment le tikkun de cette personne-là? Mais ça, ce n'est pas du tout le but de notre shiur. Aujourd'hui, on va attaquer les schizophrènes. Non, je plaisante. J'adore faire des blagues. Les gémeaux. Dédoublement de personnalité. C'est les gémeaux. Pourquoi on appelle ça des gémeaux? C'est quand même curieux puisque on a l'habitude de voir des animaux dans les signes en général. Tu as le crabe, tu as le scorpion, tu as le sagittaire. Tu as en général des figurines qui sont plutôt représentées dans le monde de la nature. Mais alors les gémeaux, c'est quand même un peu curieux. Pourquoi? Parce que dans l'habitude, on n'a pas l'habitude de voir des hommes. On a l'habitude de voir la Vierge, oui, Vierge. Okay, c'est le mois de septembre, c'est que en hébreu, c'est top, le méchant. La Betoula. Mais même la notion de Betoula, ce n'est pas une femme, réellement. C'est la Betoula, la Vierge. C'est une situation qu'on veut définir, et non pas un personnage. Qu'on se comprenne bien. Là, on parle de personnages. Les gémeaux, qui sont comment? Dos à dos. Dos à dos. Dans l'absolu, vous savez que la seule fois où on a trouvé deux hommes dos à dos, vous... Alors déjà que j'entends pas très bien d'ici, mais alors là j'entends rien du tout. Les deux anges qui étaient dos à dos quand ils étaient fâchés sur le caporet, c'est-à-dire sur le capot du... Vous êtes parti loin, surtout que là-bas c'est marloquette, est-ce que c'était masculin-masculin, masculin-féminin. La Gemara, en fin de compte, dira dans la tradition de Yaakov et Rachel, masculin-féminin. Non. Non. Donc fausse réponse, la porte est là, au revoir. La pauvre. Où est-ce qu'on voit réellement? Alors ça se trouve dans un livre que vous ne connaissez pas, c'est le Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital au nom du Ari HaKadosh. La première fois on verra la définition réellement de deux hommes dos à dos, c'est le Etz Hadaat Tov Vara. Quand le Ari Zal a défini le Etz Hadaat, il disait que ça ressemblait à deux hommes dos à dos. Et on arrivera pourquoi? Parce qu'il y a la connaissance dedans. C'est la connaissance, c'est le don de la Torah, c'est le moi du don de la Torah. Donc c'est l'état où on revient à l'échelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à l'échelle où on doit faire la définition entre le bien et le mal, d'où l'explication de la Torah qui est le mode d'emploi dans ce monde pour faire la différence entre les forces du bien et les forces du mal. Sinon, tu ne sauras pas comment diriger ta vie, aller dans le bon sens, sur la bonne route. On a besoin de la Torah qui est le code de la route. Par exemple, tu fais un shidduch avec quelqu'un, il veut te prendre la main, tu dis « t'en mords, don't touch man, je regarde, assour, ne me touche pas. Si tu me touches, il n'y a rien de mauvais au niveau de mon Yetzer Hara, mais au niveau du Yetzer Hatov, tu es en train de pourrir mon mazal. Parce que dès que tu fais une avera, tu pourris ton mazal. Donc, il faut un code. Ça, c'est le don de la Torah. C'est pour ça qu'on a une figurine avec deux personnages qui rappellent le Etz Hadaat. D'où le don de la Torah. Alors, voyons un petit peu ensemble, parce que je vous ai fait un petit, à toute vitesse, des petites écritures. Je n'ai pas voulu vous lire le livre comme on fait d'habitude, pour aller plus vite. Qu'est-ce que représente ce mois? Le mois de Sivan, qui est donc le troisième mois de l'année, comme c'est marqué ici, Sivan ou Hashem à Bavli, c'est un nom babylonien, vous le savez, comme tous les mois hébraïques, mais dans la Torah, il s'appelle Chodesh Ashlishi. C'est un mois très particulier, comme tous les mois, même tous les mois ont une particularité, mais pourquoi lui, il a une particularité? Parce que le mois de Sivan est attaché au chiffre 3. Tout est trilogie. Trilogie. C'est pas logique, mais c'est trilogie. A Chodesh Ashlishi, Shehu Shlishi le Nissan, Rosh Chodashim, comme on l'a lu dans le parasha du Yitro justement la semaine dernière, c'est au troisième mois, le 6 du mois de Sivan, tu sais comment le 7, si on devait rentrer dans la marque de Rabbi Yossi, dans la Gemara, où on a reçu la Torah. Le 6 du mois de Sivan, le troisième mois. Et pourquoi d'après le troisième mois? Vous savez que l'Oranilu Velorechem, que Dieu nous préserve, mais une femme qui divorce, n'a pas le droit de se marier, si ce n'est qu'au troisième mois de son divorce. Et pourquoi? Pour une raison simple, c'est pour être certain qu'elle n'est pas enceinte de son ex-mari. Donc, quand on est sorti d'Égypte au mois de Nissan, premier mois, on a dû attendre un deuxième mois, le mois de Iyar, et ensuite un troisième mois, le mois de Sivan, pour être certain que l'Égypte ne nous avait pas mis enceinte, nous, peuple d'Israël, de sa Avodah Zara.
d'où les trois mois. Donc au troisième mois, c'est la trilogie, et on verra ce que ça donne. Comme il dit ici, le mazal, donc bien entendu, c'est les théomim. Qu'est-ce que veut dire exactement le théomim? On va expliquer tout à l'heure, c'est en français les gémeaux. Remez, à qui ça va faire allusion en réalité? Donc il y a beaucoup d'explications, on va passer un petit peu du pshat jusqu'au sod. Le pshat, c'est qu'on parle de Moshe et Aaron, qui vont prendre toute l'essence de leur signification pendant le mois de Sivan, le don de la Torah. Moshe, qui est celui qui va chercher la Torah, et Aaron, qui représente le peuple d'Israël dans le Kodesh HaKodashim vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Moshe qui donne la Torah de la rigueur, Torah Tzivalanu, Moshe Morachak Lati Yaakov, et Yaakov et Aaron Avinu, et Aaron à Kohen. Il y a des cours-circuits en ce moment. Et donc, Aaron à Kohen, le Kohen Gadol, est là pour réparer les fautes de celui qui va entraver la Torah le jour de Kippour. Donc, un qui amène le programme de la création du monde, et l'autre qui existe pour régler les problèmes de celui qui n'aurait pas concrétisé les plans divins. T'as fauté, il y a Aaron qui vient, Yom Kippour, Mechaper, c'est lui qui représente les gémeaux. D'accord? Troufa, Vemaka. Vezaïnian. Pourquoi ce mois est si important? Parce qu'il représente l'identité du peuple d'Israël. Pourquoi? Alors, je vous ai pris quelques exemples ici, comme le rapporte Rabbi Agalili Lifne Rav Chisda, qui lui a dit « Baruch Elokeinu Shenatan Torah Lemishloshet ». La Torah a été donnée par le chiffre 3. Pourquoi? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Alors là, en français, c'est un peu dur. Torah. Non, Torah, c'est... Attendez. Le Deutéronome. On le rassera. Nevi'im. Les prophètes, c'est les hagiographes? Non. C'est les autres? Hein? Prophètes. Et Ketuvim, les hagiographes. C'est un embrouille comme ça. En hébreu, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh. Très rapide. Ensuite, qu'est-ce qui représente trois dans le judaïsme? Les Kohanim, les Lévim, Israël. Pour créer un Keli, c'est un ustensile, il faut donc trois choses. Kohanim, Kaf, Lévim, Lamed, Israël, Yud, Keli. Ces initiales. Pour recevoir la Torah. Ensuite, on a vérifié que le troisième personnage qui apportera la Torah de la famille de Amram et de Yocheved, on a eu première naissance à Aaron. Deuxième naissance, Myriam. Troisième naissance, Moshe. On a eu trois avotes. Abraham, Isaac, Yaakov, qui est celui qui portera le nom pour le peuple. C'est Yaakov qui s'appellera Israël, le troisième. Donc je m'arrête là parce que c'est très long à faire. Rak Shemeda, de façon générale, que ce mois-là appartient au chiffre 3, parce que la complétude de ce mois-là doit définir trois niveaux différents chez le juif. Changement de comportement, abandon des fautes pour la préparation au don de la Torah. C'est-à-dire, faire un keli, nettoyer le keli, pour être digne de recevoir la Torah. C'est le mois de Sivan. Et on verra ce que ça nous fait au niveau du caractère du personnage. Très intéressant à faire ensemble. Le mois de Sivan, disent les sages, représente le mois de la Ardout Ha'am. C'est quoi Ardout Ha'am? L'unité du peuple d'Israël, comme c'est marqué, Ish Echad Belev Echad. Un corps et un cœur, l'intérieur comme extérieur. Le mois de Sivan représente aussi la Hana, le Kabbalat, la Torah, le fait que trois jours, une fois de plus le chiffre 3, vient et nous dit, trois jours avant le don de la Torah, on devait se séparer de nos épouses, laver nos robes pour être dignes de recevoir la Torah, de peur que notre épouse soit interdite ou impur, et donc on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Chou Ikar Briyat Haolam, qui est l'essentiel même du pourquoi de la création du monde, c'est l'étude de la Torah. Pendant ce mois-là, on a aussi un événement tragique, la mort du roi David, puisque c'est la fête de Shavuot, et on commémore la mort du roi David. Bizarrement, le livre qui correspond à la fête de Shavuot du don de la Torah, c'est le livre de Ruth. Et Ruth, c'est celle qui vient d'un des peuples maudits par Dieu, les Moavim, Moav, qui se convertira au judaïsme et qui devient l'espoir du Machiach ben David, d'où viendra le roi David, bien entendu, le Melech HaMashiach. Donc le jour même de la mort du roi David, on lit deux fois le livre des Télim, pour ceux qui veulent le faire, ou une fois, on commémorera quand même un livre extraordinaire qui s'appelle le livre de Ruth, l'exemple par excellence de la symbolique convertie au judaïsme, qui a réellement tout laissé sur terre pour vraiment devenir juif.
sans faire aucune entrave à la halakha, aucune. Ce que disait la halakha, elle le faisait. La seule personne qu'elle épousait, elle, qui était d'une beauté sans pareil, était un homme qui avait plus de 100 ans. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Son mariage n'a duré qu'une seule nuit. Et elle est restée toute sa vie veuve, alors qu'elle aurait pu se remarier à qui elle voulait. Elle a eu 2 enfants. On ne peut pas dire que ce ne soit pas une conversion, que ce ne soit pas les Shem Shamaïm. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais ce n'est pas le moment de parler de Ruth, juste pour vous dire que même si le roi David est mort, on vient nous dire, n'oublie pas que tu lis le livre de Ruth. C'est un mois d'espoir. Le mois de Sivan est un mois d'espoir. Pourquoi ? Parce que par le biais de la Torah, toute la nature se renouvelle pour toi. Donc c'est un mois d'espoir. Comment tu le vois ? Par Ruth qui vient des nations du monde et qui est devenue une des meilleures juives de l'histoire. C'est le mois où on a le minhag de manger des ma'achalei chalav. On mange des divrei chalavim, c'est-à-dire du lait, des laitages. Pourquoi on mangeait laitage ? Parce que le lait représente la teshuva. Qu'est-ce que le lait de la vache ? Qu'est-ce que le lait de la mère ? Ce n'est rien d'autre que son sang qui fait teshuva, qui devient blanc. On avait fait un cours, je ne reviendrai pas dessus. C'est bien ? Pourquoi une femme n'est-elle plus nida quand elle est enceinte ? La Gemara nous dit qu'il pshuton. Son sang est devenu du lait. La femme est nida parce qu'elle a porté la mort dans le monde. Le jour où elle apporte la vie, elle n'a plus besoin de porter ce tikkun. Donc en général, il peut y avoir des situations... différente, à quoi qu'il advienne, son état la met dans une transformation de mort à vie, donc c'est le lait. Comme c'est marqué, Kahalav yalbinu, vous blanchirez vos âmes comme la blancheur du lait. C'est aussi le mois du renouvellement de la nature, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant le don de la Torah, toute la nature a changé, le désert s'est rempli de fleurs, de tzmahim. C'est un mois qui représente la gaieté par excellence. Alors, au mois de Hadar aussi, on est en joie, puisqu'on dit « Mishenichnas Hadar marbim besimcha ». Quand vient le mois de Hadar, on rajoute de la joie. Et pourquoi on serait en joie pendant le mois de Sivan ? Parce qu'on reçoit la Torah. Et c'est pour cela qu'il y a une mitzvah de décorer nos maisons pendant le mois de Sivan, et surtout pour la veille de Shavuot, où on apporte des fleurs à sa femme, et des ronces à sa belle-mère, j'allais dire, et des fleurs à sa belle-mère, des plantes, hein, pour pouvoir... C'est marrant, la belle-mère, c'est une blague qui a 100 ans et ça marche toujours. Non, c'est fou. Ça me rappelle l'histoire du bus où il n'y avait que des belles-mères qui s'étaient tombées dans le ravin, elles sont toutes mortes, que Dieu nous protège. Et toutes se sont mises à crier de joie, toutes les belles-filles, sauf une. Qui s'est mise à pleurer. Mais c'est pas grave, c'était que ta belle-mère, justement, elle avait raté le bus. Alors, elle avait raté le bus. Les pauvres belles-mères. Vraiment les pauvres. Alors, il y a aussi... Le tikkun, donc, on comprendra que c'est un mois qui a besoin de beaucoup de tikkunim, puisque le jour de joie où on reçoit enfin la Torah, c'est le jour où on ne dort pas. Le tikkun de l'El Shavuot, c'est un mois de tikkun, de préparation à l'étude de la Torah. C'est le jour du don de la Torah, c'est-à-dire du désert. Écoutez bien les mots employés. Midbar, Sinai, Moshe. Ce sont les 3 symboles du mois de Sivan. 3, une fois de plus. Le désert, pourquoi ? Le Sinaï, pourquoi ? Moshe, pourquoi ? Le Chida Akadosh nous dit, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, tout simplement parce que c'était les 3 éléments symboliques d'humilité absolue. Le désert ne peut jamais s'enorgueillir de sa terre, il n'a rien à vendre, même pas d'eau. Moshe Rabbeinu, le Sinaï était la plus petite des montagnes, et Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble de tous les hommes. Pour nous dire que cette trilogie, une fois de plus, ne peut exister qu'à travers l'annulation de soi. C'est-à-dire que ceux qui sont nés pendant ce mois-là, devront travailler ces 3 points essentiels qu'on reverra dans le livre sur le comportement de celui qui est né pendant le mois de Sivan. C'est le mois où on parle de soumission, même si on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il y a besoin de patience, comme l'ont dit les Hébreux, Naase Venishma. Et qu'est-ce que ça veut dire Naase Venishma ? Arrête d'être impatient, fais, tu comprendras plus tard. Parce que c'est un signe, on verra textuellement dans le texte, tout à l'heure, qui a besoin très vite de comprendre avant de faire. C'est très impatient. C'est pas facile à manœuvrer quelqu'un qui est né pendant le mois de Sivan, il faut savoir vraiment le prendre. Teomim, pourquoi Teomim ? Que Moshe Ata Babait Amidrash, Kachata Tsarikhiot Bachut. Pourquoi Teomim ? Autre explication. Parce que ce qu'on demandera à une personne qui est née pendant ce mois, comme tout autre juif dans ce monde, ne sois pas un tzaddik à la synagogue dans
ta société avec tes copains et un rachat à la maison ou ailleurs. Théomim veut dire, comment tu dis en hébreu, ça c'est bien pour moi. C'est ma matim, théomim. Matimli, ça veut dire ça c'est bon pour moi. Comment dire en français? Ça me correspond. On demande théomim, perouch adabar. Ce qu'on connaît de toi là-bas doit être le même personnage qu'on connaît ici. Parce que la Torah ne peut pas reposer sur des hypocrites. C'est pas fini. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Itgalut Ashkhinta, Ashekhina, Anochi Hashem Elokecha. Car comme le dit le Midrash, si nous-mêmes, on était capable de voir 1000 hommes, on verrait 1000 visages différents. Mais tant qu'on, quand on regarde tous Dieu, on ne voit qu'un seul Dieu. Anochi Hashem Elokecha. De là, on te dit, fais très attention, car le mois de Sivan est le mois le plus élevé pour découvrir Hashem. Ce sont des gens qui, dans la spiritualité, explosent dans les connaissances, aussi bien niglé que nista, je m'explique, dans la Torah la plus pashtanite, la plus simple, comme dans la Torah la plus ésotérique. Si la personne est dans la Torah, qu'elle est née au mois de Sivan, elle est née dans le mois du don de la Torah. Dans le mois où les 7 cieux se sont ouverts, où Dieu peut lui donner cette Torah-là, on y arrivera tout à l'heure. Et pour finir, parce que je ne peux pas m'attarder plus longtemps là-dessus, mais c'est le mois des 10 commandements, comme vous le savez. Les 10 commandements, c'est-à-dire toute la base de la Torah, une fois de plus, a été donnée. On a vu que le mois dernier et le mois d'avant, pendant le mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula, pour aller recevoir cette Torah, on est sur le chemin de Sfirat HaOmer, comme le mois de Iyar. Là, on n'est déjà plus dans réellement le monde de Sfirat HaOmer, on est dans le monde de Kabbalat HaTorah. Ça veut dire que on a besoin de beaucoup plus de préparation et de vigilance quand on est né pendant le mois de Sivan. Je vous ouvre ce livre que vous attendez tellement et que tout le monde demande, c'est quoi le titre? C'est quoi le titre? Le voilà. Sivan. Oula. Son mazal, les théomim, on l'a dit. Son étoile, j'ai un gros problème avec ça. Tout à l'heure, j'ai regardé un peu à droite, à gauche, j'ai regardé le Rambam. Et le Rambam, parce qu'ici, il m'a marqué un truc, on dirait qu'il se moque de moi. Il m'a marqué Kochavo Kochav. Sa planète, c'est la planète. Alors, au début, je pensais que c'était un sketch. Mais je me suis rendu compte qu'il est sérieux. Parce que j'ai regardé de l'autre côté, je dis, non. Il n'a pas fait ça, le gourou. Non, eh bien si. Il a fait ça. Il a marqué Kochav, Kochav. Alors, comme je me suis inquiété, comme je n'ai pas un très haut niveau de Torah, je suis parti voir tous les avrechim ici, les rabbanim ici présents, et je leur ai fait lire Kochavo, Kochav. Il m'a dit, ma Kochav. Il a eu la même réaction que moi. Alors, j'étais voir le Rosh Kollel. Il m'a dit, nous, ma Kochav. Il me dit, c'est peut-être une planète en dehors du système solaire. Je dis, bon, écoutez, sombé, là, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai été voir le Rav Baruch, qui m'a sorti le Rambam. Il m'a dit, le Rambam dit que Kochav, c'est le surnom qu'on donne à Vénus. Alors, je dis, mais Vénus, c'est Noga. C'est la planète de Noga. Donc, j'ai un problème. Alors, je vous le dis, je me fie au Rambam, puisque le Rambam dit que Kochav, c'est Noga, et Noga, on sait que c'est Vénus. Donc, sur ce, on va lui donner le nom de Vénus, c'est-à-dire... Vénus, vous savez que c'est la planète qui représente la sensualité, l'amour. Donc ce sont des gens qui aiment l'amour. Qui c'est qui est juste, que je sache ici, à toi, toi, d'accord. Très bien. Par contre, au niveau de l'équilibre mental, ce sont des gens qui appartiennent... Alors là, par contre, sortez, c'est mieux. Au niveau mental, c'est plus trop compliqué. Au niveau mental, au niveau du caractère que vous avez au niveau de cérébral, on va dire ça comme ça, vous appartenez à la mida la plus belle de toutes les midotes, c'est Tiferet. Ce sont des gens en général qui sont très équilibrés. L'influence, elle est sauvée, elle était rouge, elle a eu peur. Et donc, qui est le personnage qui vous représente dans la Torah? Enfin, quel personnage représente votre signe, votre don? Tiferet, Yaakov. C'est là. Le personnage qui vous représente, c'est Yaakov. La tribu qui vous représente, c'est Lévi. Et pourquoi? On verra plus tard. Les Lévi, c'était ceux qui étudiaient dans le Beth Amikdash, qui transmettaient la Torah au peuple d'Israël. Ce sont des gens en général qui s'occupent beaucoup des autres. Lévi vient du mot Livoui, qui veut dire celui qui accompagne les autres. Ce sont des gens qui ont une force extraordinaire pour aider les autres. La pierre, d'après vous, c'est laquelle? Bonne réponse, effectivement. C'est la baréquette. Et la pierre qui te correspond, puisque tu es de ce signe, c'est l'émeraude, qui est une très très belle pierre, une pierre verte. Be'ezrat Hashem. Alors sans plus tarder, on rentre dans le personnage.
Les vertus de la pierre, on les fait en dernier. Comme dans tous les cours, Val. D'accord? Tu peux dormir sur le côté gauche, il n'y a pas de problème. Omrim Chazal, Takshivutov. Bechodesh Ashlishi Mazalo, Mazal Teomim. Nous rentrons dans le Mazal Teomim. Cholet Bechodeshé Malaach. L'ange qui dirige ce mois est l'ange qui s'appelle, on peut lui donner son nom exceptionnel parce que c'est un nom qu'on donne à nos enfants, Uriel. Uriel, ça veut dire quoi? Vous savez ce que veut dire le mot Uriel en hébreu? Divisez le mot en deux. Our et quel? Ça veut dire quoi Our en hébreu? Non, presque. Bon, on n'a pas le temps. Feu. Our Kazim, les feux de Kazim. Our veut dire en hébreu du feu. Pourquoi du feu? Comme c'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Vezot Aberacha ou de Maseret Betsa, page 25 Amud Bet, Esh Dat Lamo. La Torah est appelée une Torah de feu. C'est pour ça qu'elle nous a été donnée sur du feu. Pérouch Adavar, même si ça a été donné sur des pierres, Pérouch Adavar a été gravé par le feu divin. Esh Dat Lamo. Et pourquoi donc Uriel? Parce que Uriel, c'est l'ange qui dirige les flammes pures de ce monde, et c'est lui qui dirige ce mois, parce que ce mois, c'est le mois du don de la Torah. L'ange de la Torah ne s'appelle pas Uriel. L'ange de la Torah s'appelle, vous connaissez son nom? Yafé. C'est son nom. Mais l'ange du mois, c'est Uriel. Sar à Torah, qui lui-même est le ministre de la Torah. Viesh Imo, 365 Rivot Machanot Shel Malachim. 365 000, même plus que ça encore. Chez Sholtim, Keleget Kol Yom Vayom, Bemesher, 365 jours à Shana. C'est-à-dire que du renouvellement du mois de Sivan se trouve une espèce d'armée venant de Uriel qui va surveiller chaque jour de l'année par rapport à la Torah. Car le monde ne vit que par rapport au mois de Sivan. Comme c'est marqué, Yom HaShishi. Dans la Torah, dans la création du monde, Yom HaShishi. Mais ce n'est pas marqué Yom HaEchad, Yom HaSheni, Yom Sheni. Pourquoi marqué dans la Torah Yom HaShishi? Rashi nous dit au nom de la Torah parce que le monde a été créé pour le Vav Besivan, le 6. Shishi veut dire 6. Le 6 Sivan. Donc on voit que du jour du don de la Torah de Sivan, toute l'année on est dépendante. De là vous aurez compris que quand on est né pendant ce mois-là, les répercussions que nous ferons de nos actions auront des répercussions qui seront annuelles, constamment. C'est un renouvellement annuel. Les Chol Machane ou Machane Shisholet Bo Oto Yom. Yesh lahem amaftechot shel oto or ayotze mitoch hachmal ha'elyon. On passe, c'est de la Kabbale, c'est pas pour vous. Ubechodesh Sivan nitna Torah shei bechinat mazal teumim, Torah shebichtav et Torah shebalpe. Et là, il nous dit ouvertement pourquoi Behemet on a deux figurines au lieu d'avoir une seule figurine. Parce que le jour du don de la Torah, nous avons eu deux Torotes. La Torah écrite et la Torah orale. Encore une explication. Nous avons eu la Torah écrite, que vous connaissez ici, la Sefer Torah, et la Torah orale, la Gemara, la Halakha, la Agada, ainsi de suite. C'est la Torah transmissible. Tomim liardav l'am Israël et ira olam kulo, afin d'éclairer le monde par son émanation. Sur ce, quand un mazal, Teomim, vient dans ce monde, comme toi c'est ton signe, quand tu arrives à la perfection des choses, tu peux l'ahir et taolam. Tu peux faire briller le monde. Ce signe-là est un mazal tout particulier parce qu'il a la force d'emmener avec lui ou son entourage dans l'obscurité ou son entourage dans la lumière. Il peut être très fort parce que ça l'accompagne de façon naturelle. Et pourquoi il est si fort que ça? Parce que même si on a vu que le bélier a une force particulière dans son langage, il n'arrive pas à la cheville de celui qui est né au mois de Sivan. Ce sont des gens qui peuvent être très très forts au téléphone. Le mec qui lance des messages. Il le dit ici noir sur blanc. Pevelachon, Yeshlaem, Pevelachon, Kilulim Yahad. Parce qu'ils ont une force entre leur bouche et leurs paroles qui leur permettront de pouvoir parfaitement faire comprendre à l'autre ce qu'ils veulent dire. Donc ce sont des gens efficaces. La reine Adam tserich la agot batorah mambalaila. Et c'est pour ça là, que ceux qui sont nés à ce signe-là sont une fois de plus une autre explication pourquoi deux figurines, gémeaux. Parce que leur particularité ne s'arrête pas qu'à l'étude du jour et de la nuit, comme nous, mais réellement l'étude du jour et de la nuit le plus possible. Yomam balayla, c'est juste deux. Gémeaux. Keneged, alashon bayom, ve keneged ape balayla. Car la bouche est composée de deux éléments, la langue et les lèvres.
les lèvres pour la bouche qu'on appelle le jour et la langue la nuit. S'ils se mettent à étudier la Torah jour et nuit, ils deviendront les plus grandes lumières du peuple. Comme il dit, si veneged ape balayla, non, lachon, pour ne pas se tromper, la langue le jour, vepe laïla et la nuit, les lèvres en d'autres termes, les esod à théomim, et c'est le secret réel des théomim. Pourquoi il y a eu deux personnages pour te dire que ce sont des gens, même si dans le premier chapitre du livre de Yoshua Binoum, 8e verset, il y a marqué là-bas, Vatakitaboy, Yamambalaïla, tu tueras la Torah le jour et la nuit. Ça, c'est pour nous tous, il y a on doit étudier tous. Au moins 10 minutes le jour, 10 minutes la nuit, c'est obligatoire. Une heure, deux heures, 10 heures. Plus tu étudieras, mieux ce sera pour toi. Mais les théomimes, c'est-à-dire ceux qui sont nés pendant ce mois-là, c'est ce que Dieu attend le plus d'eux. Ça fait partie d'un tikkun chez eux. Ça fait partie d'une révélation chez eux. La Kadosh Baruch Hu peut se dévoiler beaucoup plus fortement chez quelqu'un qui est né pendant ce mois, qui va se donner encore plus à l'étude de la Torah jour comme nuit. Bien entendu, avec l'équilibre de la société, de la famille, pas aux dépens de sa femme, de ses enfants, parce que ça fait partie de la Torah d'être avec sa femme et ses enfants. On se comprenne bien. Bien. Chodesh c'est qui bloue Am Israël et ta Torah, Chag HaShavuot, on en a déjà parlé en avance, Zman Matan Torah, le temps du monde de la Torah, Chibur, Vidibuk, la Kadosh Baruch Hu, Sizou, Amazon, Aruchani, Shintan, Ibn Israël. Et pourquoi, une fois de plus, on sait que la nourriture du peuple d'Israël, ce n'est pas les restaurants ni tous les plaisirs de ce monde, mais d'adhérer à Dieu, et c'est le mois où Dieu s'est dévoilé aux enfants d'Israël pour dire ce qu'il voulait, et non pas comme le mois de Nissan où il s'est dévoilé pour nous sauver. Vous avez compris la différence? Dieu se dévoile chaque mois. Dans le mois de Hadar, c'est nous qui dévoilons Dieu. Mais Megillat Esther, c'est à toi de dévoiler Dieu. Le mois de Nissan, c'est lui qui se dévoile, mais à travers des miracles pour dire, ayez confiance, je suis là les mecs. Le mois de Iyar, c'est Dieu qui se dévoile pour nous guérir. Ani Hashem Rof Echa. Le mois de Sivan, c'est Dieu qui se dévoile pour te dire, mon fils, voilà ce que j'attends de toi. Donc ce sont des gens qui sont particulièrement proches de la volonté divine s'ils s'arrangent dans ce domaine. L'idée à Torah, Bezehu, Yesod, Achaim, car c'est le fondement de notre vie. Chodeshem et Samel et Koach Ardout. Ce sont des gens qui ont une particularité, c'est que l'influence de ce mois, comme on l'a dit tout à l'heure, engendre la force de l'unité du peuple. Kemo Shaya Bezman Kabbalat Torah qui Shechad Belavichad, on avance. Encore une explication sur les théomimes. Vous voyez, vous en avez eu combien pour l'instant? 6, si je ne m'abuse. Alors encore une. Pourquoi théomimes? C'est pour ça, je crois, au nom du Zohar ici, je n'ai pas fait attention. Ouais, en haut, il ramène le Zohar, le Zohar à Kadosh. Parce que simplement, ça représente Zvulun et Issachar. Il faut qu'il y en ait qui étudie la Torah et l'autre qui s'occupe de subvenir à ses besoins financiers. Zvulun et Issachar, donc dos à dos, pour t'enseigner que celui qui soutient la Torah est comparé à celui qui a étudié la Torah, puisque vous savez qu'à l'épisode, si un homme a soutenu un avraire toute sa vie, le jour où meurt cet homme-là, toute la Torah qu'a appris le Rav grâce à lui, parce qu'il le subventionnait tous les mois, le moment où il quitte le corps, son âme s'élève au-dessus du corps, il est investi de toute la connaissance du Rav qu'il a soutenu financièrement. C'est pour ça que c'est Théomim, Matim. Toi et moi, on est pareil. C'est fait. Les quatre éléments, on ne les a pas dit tout à l'heure. Ah ah, nous avons la terre, nous avons l'air, nous avons le feu et nous avons l'eau. Lequel d'après vous? Le feu. Non. J'ai parlé de la Torah de feu et l'ange qui dirige de moi qui est de feu. Je n'ai pas parlé de l'air. Je viens de donner la réponse et vous me donnez d'autres réponses. Vous êtes très forte. Je n'ai pas parlé de l'air et tu me dis le feu. Top. L'eau. Non. Ce qui leur correspond à eux, c'est justement le vent. Et pourquoi? Il parle beaucoup, tout à fait. C'est un signe qui parle énormément, qui a besoin de parler. Mais alors, qu'est-ce qu'il a besoin de parler? C'est-à-dire que si le mec ne veut pas une femme qui la souffre, il ne faut pas qu'il épouse une femme du mois de Sivan. Parce qu'elles adorent parler. C'est pas elle parle un peu. Ça n'a pas besoin de réponse. Elles n'attendent même pas de réponse en général. Elles veulent simplement parler. Elles adorent parler. Les femmes, de façon générale, aiment parler. D'ailleurs, comme le disent les hommes, il y a deux choses qui saoulent un homme. L'alcool et la femme. Avir, c'est une blague, hein, monsieur. Avir. Et pourquoi le vent? Parce que c'est l'élément le plus spirituel. Le rouar s'élève, le vent s'élève. Ce sont des gens qui ont besoin de s'élever. Comment tu dis en hébreu esprit? Comment tu dis du vent? Eh bien, vous avez tout compris. Rouar, rouar. L'esprit et le vent se disent de la même façon. Ce sont des gens très spirituels en général.
Rouhani beruchaniut le kiyumo shel haolam. Parce que le vent est essentiel, bien entendu, comme les autres éléments. Kodesh Sivan, il a tout tiferet keneged Yaakov, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'harmonie qui correspond à Yaakov Avinu qui les habite, tiferet, zman matan Torah, on l'a déjà expliqué. Adam shelo yachol ishmor et kaspo. Alors maintenant, on rentre dans qui vous êtes au niveau du comportement, sauf si, dans deux cas de figure, je le répète, vous avez une éducation difficile qui aura transformé votre vraie personnalité, ça ne vous concernera pas ce que je dirais, ou alors que vous avez déjà travaillé vos midotes et que vous ne ressemblez plus à ce qu'on va définir maintenant. Si ce n'est pas le cas, vous y retrouverez certainement des traits de caractère. Mettez vos ceintures, c'est pas joli, joli. Sors. Adam, Shelo, Yachol, Bidouk, Lishmor, Al-Kaspo, Efer, Mazal, Shor. On a vu que le Shor, c'est-à-dire le taureau, c'est quelqu'un qui est très près de sa famille, pas trop extérieur. C'est son argent à lui avec sa famille. À lui, c'est pas très facile de donner quand on est taureau. Et c'est très chauviniste, ça se dit? Ouais, c'est nous. Alors, par contre, là, pas du tout. Ce sont des gens qui ont un trou dans la main en général. Mais catastrophique. Ils achètent des vêtements sans poche. C'est pas la peine de la poche. Dans la main, direct. Froc. Pas marqué, c'est moi qui rajoute. Adam shelo yachol ishmor al kaspo efer mazal shor. C'est l'opposé total du mazal shor. Donc très bien, s'ils sont mariés par hasard avec un taureau, c'est ce qui est mieux pour eux. Pourquoi? Parce que elle a un trou dans la main, lui il bouge la main. Bne ki bne mazal ze me baz me mezav zenim mi beli lachshov le an ve ech em ve im kedai akol naase miyad mi machshava. Dès que ça paie, ils achètent. Dès que, on avance. Sans compter. Et là, il va très loin puisqu'il dit ce sont des gens très intelligents qui ne se servent jamais de leur intelligence. Ça veut dire quoi? Et à cause de quoi? Écoutez bien. C'est quel mazal, toi, là-bas, qui rigole? T'hésites. C'est-à-dire, si ça ne te correspond pas, c'est pas toi, quoi. Ça ne te convient pas, c'est pas toi. La semiad blimarchava. Ce sont des gens qui sont plutôt poussés par la pulsion que par le sechel. Alors que ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup s'ils le veulent. Et vous allez voir pourquoi. Donc, ils font des choses très vite. Vim kedai pour deux, dès que c'est valable, sans approfondir, automatiquement, faddal, on avance. Bli marchava. Rak shero atzmo nichnas le chovot. Alors, dès qu'il rentre maintenant dans les chovot, ou une lettre de la banque, ou un truc qui ne va pas, l'électricité qui est coupée, ou un truc comme ça, chayav la chayav, netzar meat. C'est la seule chose qui, en général, les bloque dans leur course. Dès qu'on leur dit. Elle a fait les courses, bah, t'as tellement dépensé qu'il n'y a plus d'oseille. Ah mince! Bon, demain, je dépenserai un peu moins. Voilà. Ce qu'il dit ici, il leur faut des fois des chocs, malheureusement, pour qu'ils puissent réaliser qu'il faut arrêter de courir, comme on l'a vu. Et pourquoi ils ont ça en eux? Parce que comme le monde ne vit que par la spiritualité, le monde de la Torah, il faut vite étudier la Torah, comme c'est mis à le cours dans le Beit Midrash. Dans leur personnalité, ils ont des pas rapides dans leurs décisions, dans leur façon d'agir. Dès qu'ils pensent que c'est bon, alors ils prennent. Alors qu'il ferait mieux de bien réfléchir à chaque fois d'agir, sur chaque chose qui les entoure. Et d'où est-ce que ça vient? D'un excès de confiance en eux-mêmes, parce que ce sont des gens qui ont une personnalité assez, en général, forte, savent assumer leurs erreurs, même si des fois ils sont à bout. Et c'est quand ils sont à bout qu'ils se rendent compte que je reconnais que je me suis trompé, je reconnais que. On verra exactement, parce que je ne vais pas vous avancer ce qui est marqué ici, mais c'est un sujet très intéressant. Yeshbo et Korach Hadibour. Sa particularité, c'est la force de la parole. Très très fort. Ve'asicha, et de la discussion. Ovechol kinus em me'avoltim shebachavura ve'gorem le ratek ve'lesha'ashea et kol asovivim silivo she'em ne'enim liyot b'mchitzato. Quant à discussion et qu'en général, ils ouvrent la bouche, ce sont des gens qui apportent des idées qui sont agréables à écouter parce qu'ils ont un bon sechel, ils ont une bonne tête. Ils sont agréables à écouter. Ils aiment bien aussi réfléchir pour plaire dans leur façon de parler. Ils savent que la force de la parole existe et vous allez voir leur tikkun. Hein? Pour l'instant, on en est là. Après, on verra s'ils sont compris ou pas. Mais les chercheurs et de quoi la sauver vim, ça veut dire vraiment d'installer les gens dans leur complaisance et leur discussion.
שהם נהנים להיות במחיצתו, הרצון תמיד להיות בתנועה ועיקר מחוץ לביתו. Ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à rester à la maison. Ils adorent bouger à droite, à gauche. Même s'il n'y a rien à faire, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on se casse. Oh, bouge, je ne peux pas. Bouge. Betnoa beikar michutz leveto. Ils aiment leur maison, mais à la condition où c'est avec un parallèle extérieur, jour comme nuit. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des gens qui sont attachés à des extrêmes. Ils aiment la maison, mais ils ne peuvent pas rester à la maison. Ce sont des gens en général qui ont besoin de travailler. Ont besoin de bouger, de créer, d'exister. Et pourquoi ils ont besoin d'exister? Parce qu'ils ont un potentiel qui est comme le Har Sinaï, qui est énorme. Kipchuto. Hein? C'est un bon signe, tu vas voir la suite. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Non, pas du tout. L'Achnis Tetzmo, les Isukim et Peulot Shonot Birde Sheye Meurav Ba'en. Et il sait parfaitement s'adapter à toutes les situations pour être capable de mettre en application son potentiel qui sera en général apprécié de ceux qui savent l'engager. Patrick est content de toi? Ça va. Permim. Il lui arrive des fois d'ailleurs, chez Mit Gae, ou Mit Rav Rev Alachirim Vedvarim Shenbo. Alors là, c'est le mauvais côté des choses. Ils ont un côté un peu mytho. Dédoublement de personnalité, je vous l'ai dit. C'est rare. Il dit ici, Permim. Pas Pe'amaim. Vous savez que dans la lecture hébraïque, quand des fois vous lisez des fois, c'est pas parce que c'est marqué deux fois, ça veut dire la même chose. Quand on lit l'ifamim, dans les livres c'est marqué l'ifamim, ça veut dire deux fois la même chose. Des fois. C'est pour te dire que c'est rare. Donc ici c'est marqué une souffle. Pe'amim, ce sont des gens à qui il peut arriver, par excès de confiance en eux, de même vanter des choses qu'ils n'ont pas vraiment faites. Ou qu'ils n'ont pas réellement accompli. Mais qu'ils savent que si ça leur avait été donné dans leur tête, ils auraient pu le faire. Donc ils peuvent... C'est-à-dire, tu viens prendre une place, tes gémeaux, mais bien sûr, je peux le faire. C'est-à-dire, les Edgarim, les défis pour eux, sont pas très difficiles. Je peux le faire. Il dit ici, parmi Midgarim, ils peuvent vendre Omerav Revim à l'Achirim sur les autres en disant le nom de Shenbo. Par exemple, prenons un exemple du travail. Prenons des gens qui travaillent dans ton boulot, Le téléphone, c'est comment ça s'appelle là? Non, pas ton métier. Comment ça s'appelle le métier que tu fais? Je parle au téléphone. Télémarketing. Vous ne m'aidez pas. Hein. Ni les hommes le mettent le matin, ni les femmes le soir. Le télémarketing. Tu viens voir quelqu'un qui est gémeaux. Tu dis, écoute, ce client, on n'arrive pas à l'avoir. La première qui lèvera la main, c'est elle. C'est quoi le problème? Tu entends dire quoi? Que tu es mieux que moi? Où il est? Shkoun. Je peux m'occuper de lui. Leur particularité, comment tu peux reconnaître très vite un mazal d'une personne, ce sont en général des gens qui pètent la joie. Ce sont des gens tout le temps heureux, souriants, agréables dans la société. Toujours, regarde tellement dit, des fois ils sont un peu mythos. Ils vont se vanter de ce que. Mais par contre, ce que tu peux trouver de particulier, c'est qu'ils ont en général un tempérament joyeux. C'est pas des gens, si tu les vois, c'est Tchabéab, tu vois. Tami timsa benazalze anashim smichim vetsochakim. Ils adorent rire, ils adorent la joie, ils aiment bien rire. Bakhol makom shinim tsaim. Et ils n'ont pas besoin. Alors c'est un peu curieux quand même, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres mazals qui sont heureux, comme le mazal Adar. On lui demande d'être en joie parce qu'il manque de joie. Le mazal Adar. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais que vous compreniez la différence entre les mazalot. C'est un mazal qui est heureux, mais très intérieur. Il faut le découvrir, Megillat Esther. Le poisson. Il va bien, mais tu ne le vois pas extérieurement. Il faut lui poser, ça va, tu vas bien? Ouais, je suis heureux. Ah, salut. Tu rencontres un mois de Sivan? Ah bah toi, tu es heureux. Hein? Ouais, super. Pourquoi? C'est extérieur. C'est Toho Kevaro. Ce que tu vois à l'intérieur, c'est l'extérieur. Donc vous avez compris que s'il fait la tronche, il ne peut pas le cacher. C'est extérieur. Adam Zeb et Derer Klal et nous Yatsiv. Alors là par contre, mieux vaut sortir les deux. Là. Si vous êtes de ce genre-là, là c'est... Ce sont des gens qui ne sont pas Yatsivim. Basé Yatsivim, Yatsiv en hébreu veut dire... Non, pas sérieux. Yatsiv, c'est de se tenir debout. Yatsiv, présente-toi. Ce ne sont pas des gens... Hein? Oui, mais ce n'est pas le mot. Bancal... C'est pas le mot.
אדם זה בדרך כלל אינו יציב ויש בו מצבי רוח משתנים כל הזמן. Ce sont pas des gens qui sont tout le temps les mêmes. Par exemple, si je devais le traduire en français, ils ont un peu un côté lunatique en eux. Et voilà, il y a un côté, il dit ici comme ça, de façon générale, écoutez bien les mots employés, en général, donc il y a l'exception à la règle. Ah ben en général, ce sont des gens qui ne sont pas tout le temps dans la bonne... Tu peux très bien les quitter en joie, puis d'un coup les trouver sous d'autres rails, un autre kivoun, une autre direction. Et il peut très vite changer de matzav ruach, comme on dit. D'humeur, voilà, ça c'est bien dit cette fois, d'humeur. Ce sont des gens qui peuvent très vite passer de tout va bien à un truc qui ne correspond pas à leurs attachements ou leurs convictions, et l'humeur a tout à fait changé, c'est comme tout le monde. Vous avez des comptes à régler avec ceci, ou quoi, vous ? Kol hazman, ça veut dire ils n'ont pas tout le temps la même conduite. Choser, gvuyot, ce sont des gens qui ont du mal à se stabiliser sur une situation, ils ont besoin de constamment évoluer. Ça veut dire que, par exemple, tu les mets dans un poste, ils vont très bien travailler, pas de problème. Au bout d'un moment, ça les saoule. Ça les saoule. Ils ont besoin de sortir ailleurs, ils ont d'aller voir ailleurs, un autre métier, une autre occasion. Même s'ils savent qu'ils vont perdre du temps, mais j'ai changé de bureau, je veux du bien. Je veux du bien. Hein ? Et ils reviennent après, c'est ton cas. Voilà, c'est vrai que quand... moi qui te connais un petit peu quand même, je peux dire que depuis tout à l'heure, on parle de toi. Ouais, la copine dit ouais. Donc, Roser Agviyut, mais Meshach Chayav, et Vedavka Bezman, Zeche Adam Tzech Lachov et Derech Chayav, Velo Liyot Aferfar. Et ce sont des gens qui remettent très souvent, par exemple, on parle de Yatsiv tout à l'heure. Oh, viens, on fait ça, ils avancent dans cette idée, et d'un coup, Aferfar. Et ils te retournent, non, c'est pas ça du tout qu'il faut faire, il faut aller de l'autre côté. Et ils vont pas comme certains signes, on avait vu, qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Eux, ce ne sont pas des gens qui vont jusqu'au bout de leurs idées en général. Ils sont très faciles à passer à une autre facette de la première facette. Après, ils se retrouvent, ouais, entre eux, ils s'entendent bien. C'est-à-dire, lui-même, il va bien, quoi. Ouais. C'est vis-à-vis de la société où ça fait un bug, à ce niveau-là. D'ailleurs, tu as envie souvent de dire à ces gens, mais décide de ce que tu veux faire. On a envie de dire à ces gens, décide, une fois pour toutes, de ce que tu veux faire, puisque s'il dit que la température, par exemple, vous voulez la Torah, l'insev inishma, ouais, on la veut. Qu'est-ce qu'on a fait après, pendant ce mois? Voilà, vous avez tout compris. Vaudor, pas. Ah, tu veux la Torah ou tu veux le Vaudor? Tu t'es où? Ouais, ben on renverse les choses. C'est compliqué. Bechot jes segula gdola leasig alidei asechel et achokma gdola shei chokmat haTorah shechol leagia leasagot elyonim. On l'a dit tout à l'heure. C'est ce mois-là est pour tout le monde un mois particulier pour obtenir des niveaux plus qu'élevés en Torah et en Kabbalah. Adam im chashiva meira. Alors là, par contre, c'est un compliment qui va finir avec un traha. Adam im chashiva meira. C'est quelqu'un qui pense très vite, qui comprend très vite. Ach eno ev, et c'est son plus grand défaut. Eno o ev le it amek. Ce sont des gens qui n'aiment pas trop approfondir les sujets. Je vous donne un exemple, si je peux me permettre, de la situation. C'est mon exemple, c'est pas dans le livre. Il y a un problème entre un homme et une femme. La femme est gémeaux, le mari est... le miroir du gémeaux, c'est mieux pour lui. Quand, par exemple, le mari va faire un truc, on pourrait lui dire... bon, tu me saoules. Oui, ben c'est... Non, je t'explique. Oui, mon problème, voilà, il y a ça et ça, ça la saoule. Ou ça le saoulera. Tu me saoules avec tes problèmes de parnassa, de ceci, de cela. Elle ne veut pas rentrer dans les détails. Et c'est ce qu'il dit. Enoev li tamek. Ce sont des gens qui aiment, comme il le dit ici, be'inyan chitrit. Tu veux qu'ils vivent heureux, il faut leur donner que de la chitrit, c'est le premier niveau de compréhension. C'est le premier niveau superficiel. Dans la vie, il y a des principes. Il faut aller là-bas, il faut le faire. Bon, je comprends ton problème, mais je ne veux pas rentrer dedans. Ça fait partie de leur tikkun. Je vous relis les mots en hébreu. Adam im chashiva meira. C'est quelqu'un qui pense très vite. Ach, le seul problème, c'est qu'ils ont un niveau de pensée qui peut être très fort, ça pourrait être de très grands psychologues,
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie de jouer au psychologue. Ça les saoule très vite. De rentrer dans le comment, du pourquoi, du truc qui expliquerait pourquoi tu en es là. Il faut faire ça, c'est tout. Il faut arriver là. C'est extérieur. On rentre pas trop dans les détails. Tant. Beinan m'aspik lo la dat ksat mi belil itamek bechol nosé. Et il dit ici dans tous les sujets. Par exemple, quand tu viens expliquer dans ton travail, la dernière des choses qui pourrait te plaire, c'est qu'on te prenne la tête dans les détails de ton travail. Et te expliquer, et te expliquer. Mais si tu te dis comme ça, oui, c'est bon, tu vas le couper très vite. Oui, c'est bon, il te parle, tu t'as pris ta feuille, tu as donné le dos, tu es déjà parti, tu me saoules. C'est un peu le signe représenté ici. Ne viens pas trop me dire, j'ai vite compris, lâche-moi les baskets. Tant. Mais les mazalzé, enam. Un peu compliqué. Enam neemanim kolkach velifamim yechassu et da'atam amut'et. Ce ne sont pas des gens. C'est un peu dur ce que je vais dire. Donc, excusez-moi de le dire, mais je suis là pour vous dire ce qui est marqué dans le livre, en faisant attention aux mots, parce que ça pourrait être mal compris. Mais ce sont des gens qui ne sont pas tout le temps honnêtes avec leurs propres arguments. C'est-à-dire que même si elles savent des fois ou qu'ils savent qu'ils ont tort, ils trouveront toujours des couvertures pour expliquer que malgré qu'ils aient tort, ils aient raison. Alors qu'il est complètement conscient qu'il a tort. Bon, écoute, la gifle que je t'ai mise tout à l'heure, c'est vrai que j'ai eu tort, mais de l'autre côté, je suis quand même... Et là, ils vont être mitamek pour eux. Ils vont chercher les... Et c'est ce qu'il dit. Écoutez bien, c'est dur à entendre. Mazalze, enam neemanim kolkar velifanim yechassou. Ils aiment bien couvrir, et da'atam, leurs opinions, amut'it, alors qu'ils savent qu'ils se trompent. Bepsukim, par exemple dans le monde de la Torah, c'est avec des versets. Là, ils savent approfondir. Ou alors, veteonim kedel atzdik et maasehem, et qui chercheront toutes sortes d'arguments pour te faire comprendre que même s'ils ont eu tort, l'atzdik et maasehem, j'avais quand même le droit de réagir comme j'ai réagi. Donc, vegam acherim mitraberim amitraberim im bene mazalze yodim leakiro mikoar diboro velo somchim kolkar al memanuto. Et le drame de cette histoire, écoutez bien, là c'est hyper important pour ce mazal, c'est que malgré la force extraordinaire de leur pensée et de leur savoir, ce sont des gens qui malheureusement, même très aimés de la société, n'ont pas de poids vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, écoutez bien, mitraberim im bene mazalze, yodaim leakiro, sont des gens qu'on apprend très vite à connaître, mikoar diboro, parce qu'ils ont une force de la parole qui est très puissante, velus somchim kolkar al neemanuto. Mais on ne comptera pas trop sur la valeur, malgré tout, de leurs propos. C'est-à-dire que si on ne voit pas en eux de la spiritualité, on les écoute, c'était plaisant, mais ça ne va pas plus loin. Ok, j'ai entendu ce que tu avais à dire. Ben, c'est, je ne voulais pas le dire le mot, mais là, tu es en train de le souffler. C'est que ce qu'ils disent, étant donné qu'ils ne sont pas tout le temps... Tu sais, je veux dire quelque chose. Quand tu parles avec quelqu'un qui te dit « Non, non, là, moi, tu sais ce que je vais faire de ma vie ? Je vais être mécanicien. » Ah, super. 2 mois plus tard, alors ? Non, je suis rentré plombier. Ah, super. Et alors, comment ça va un an plus tard ? Je suis menuisier. En fait, je voulais te dire... Tu comprends ce que je veux te dire ? Tu vas où ? Tu travailles chez qui ? C'est dans quelle direction ? Donc, comme ils changent tout le temps parce qu'ils sont pas yitzivim, résultat des courses, eh bien, on a du mal à leur donner le crédit nécessaire. Gam kshirotzim livnot et betam, mistaklim al ben, obed ou bat zugo, betura shitrit. Quand par exemple, ils veulent construire leur demeure, ils regardent souvent leur conjoint, et ils le disent une fois de plus, betura shitrit. Shitrit, ça veut dire superficiel, premier niveau. Ils ont du mal à déceler dans la profondeur leur conjoint ou leur conjointe. Ce dont l'autre, par contre, a besoin, c'est d'être compris. Ils comprennent l'autre qu'à un aspect extérieur, mais pas intérieur. C'est-à-dire, je sais que tu as des problèmes, très fort en parole, hein. Je sais que tu as des problèmes, mais mon but, il est là-bas, et là, je m'en fiche, quoi. Je ne rentre pas là-dedans. Mais je sais que tu as des problèmes, je ne suis pas bête. Vous comprenez, il y a une situation un peu... délicate. Chitrit velo ma'amika. Vechol ze nimshar gam bechaya anisuin, même pendant donc le mariage, vechaser et kol hakesher hachazak ve'amok bene'em. Et c'est à cause de ça que très souvent dans les couples, ce sont des couples qui peuvent très bien aller parce qu'ils sont cérébrales, mais l'attache, elle n'est pas
ancrés l'un dans l'autre. Et pourquoi? Parce que pour ancrer l'un dans l'autre, il faut rentrer dans la profondeur de l'autre. Il faut rentrer dans le problème intérieur de l'autre. Et eux, c'est le don de la Torah. C'est le dévoilement, c'est extérieur. C'est pas dans la montagne. C'est à l'extérieur de la montagne. C'est un signe qui représente la Chokhma et pas la Bina. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce qu'il dit en tout cas. Leur plus grand problème, c'est le manque de patience. Très vite anxieux, très vite rasra, très vite jeddi, grand manque de patience. Quand ils prennent une direction, on l'a dit tout à l'heure, même si ce n'est pas yatsiv, Mazalze, Hasere, Savlanou. Donc si vous êtes pendant ce mois et que vous manquez de patience, sachez une chose, c'est que c'est le mois dans lequel. Donc qu'est-ce que vous devez travailler? Très bien. Et Chol Davar Otsim Vedorshim Maher Meod. Et quand ils veulent quelque chose, ils le veulent vite et très vite. Bechol Trumei Achaim, dans tous les domaines de la vie. Vegam Betoch Atzmam Chasre Savlanout. Et même pour eux-mêmes, ils sont des fois durs avec eux-mêmes. Par exemple, si une femme veut maigrir, si elle ne maigrit pas vite, ça ne le fait pas. Vite, je veux maigrir. Très vite. Ou Kshéosim Davar Sheoum Behirut Mibeli Le Ashkia Marshava Amuka. Et le seul problème, une fois de plus, il le ramène, c'est que quand ils veulent quelque chose de très vite et qu'ils manquent de patience, ils oublient toujours d'aller tout le temps trop vite et de ne pas savoir approfondir le problème. Approfondis la situation dans chaque domaine de ta vie. Oavé Adibour, ou Pitpoutim, des gens qui adorent parler et déblatérer, Pitpoutim. Im Aïn Chada, mais ils ont un œil perçant, pas un Aïn Arin, c'est pas ça que ça veut dire. Un œil perçant, ça veut dire qu'au regard, ils savent très vite définir les situations. Très vite. Aïn Chada, c'est pas Aïn Arin. Aïn Chada, c'est un œil vif, le poil doux, c'est frolique. Un œil Chada, ça veut dire un œil aiguisé. Ils savent. Lire Ot Belakir Tiv Am Shel Anashim. S'ils sont dans la spiritualité, ils te regardent quelqu'un, ils te disent exactement qui il est. Ils savent exactement qui est, de qui n'est pas. Moi, je me rappelle, Madame Bismuth, quand on avait fait connaissance par les cours, vous et votre mari, à l'époque. La première fois, ce qu'il m'avait dit, c'est ça fait des années qu'on cherchait un rave, et dès que je vous ai vu, ça a été votre parole, j'avais compris que c'était le kivoun qu'on devait prendre. C'est exactement ce qu'il dit ici, tu t'es de ce signe. T'as vu ton mari, tu m'avais raconté, dès que tu l'as vu, tu m'as dit, je savais que c'était lui, c'était évident. Ton œil, l'Ayn Arachim Shalik. Mi-Adam, Amiti, ou Mi-Adam, Kezvan. Par exemple, quelle est leur particularité? Quand ils parlent avec quelqu'un, ils savent tout de suite si c'est un mytho, si c'est un menteur, si c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère, quelqu'un de. Ils ont cette particularité de vite placer les éléments. Tu es de quel matin? C'est pas en rapport avec toi. Quelqu'un de ta famille? Non plus. D'accord. Zé Irut. Ben Mazalze, Kaacher, Migiim, Lide, Meriva, Milulit, Ktokfim, Milchona, Machada, Veorsim, Kol, Chalka, Atova, Lilo, Akbala, Veatsira. Étant donné que la force de ces gens-là est dans la parole, ils ont une particularité, c'est que dès que tu commences à les chauffer, ils te trouvent les mots qui vont détruire toutes les qualités qu'ils t'ont dues en une année. C'est sûr, dit-elle, avec les dents qui poussent. Leur force est très grande dans la parole, et quand par contre il s'agit de. Quand ils sont touchés, ils savent réfléchir, ils te trouveront les mots. Il dit ici quelque chose de très fort que j'ai jamais lu ailleurs. Écoutez bien ce qu'il dit. Miloulit, écoutez. Tokim el shonam chada. Ils ont une langue. Quand ils veulent utiliser chaval al-azman, v'orsim kol chelka atova. Ils sont capables de détruire toutes les qualités de l'autre avec des mots. Très fort pour ça. Un livre de Mazalze. Mais de l'autre côté, quand ils le veuillent, écoutez bien. Ce sont des gens en général qui ont très peu d'ennemis sur terre. Très peu. Baruch Hashem dit à l'offon. En mazalze oivim. Ici, dit Bichlal, ils n'ont pas d'ennemis. Ce sont des gens en général avec qui on s'entend. Pourquoi ils sont très forts? Et ça, maintenant que je réalise, dans les mails que tu m'envoyais par rapport à certaines données, tu cherchais exactement ce qui est marqué ici. Ça avait eu une embrouille avec une mora ou peu importe laquelle. Et tu m'avais posé la question en disant est-ce que je dois aller la voir ou pas aller la voir? J'aime pas les embrouilles. C'est exactement ce qu'il dit ici. En libne mazalze oyvim osonim. Ce sont des gens en général qui s'arrangeront toujours pour ne pas avoir ni d'ennemis ni de gens qui les haïssent. Ils supportent pas ça. Pourquoi? C'est le mois de la hardoute. Ils ont besoin d'unité. Écoute bien. Yodea letzed velahlik. Il sait exactement comment se sortir de toutes les situations dans ce domaine. Dès qu'il y a des embrouilles, trouve les mots bidou. Tac, 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 et remet tout en place. Velahlik mikol davar mikol inyam mibeli rivo madon.
Parce que ce qu'ils détestent, c'est les disputes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent exactement trouver les mots pour reconstruire s'ils ont détruit. Ils sont très forts pour ça. Le mazalze, im midot tovot. Ce sont des gens en général qui ont de très bonnes midot. Shesh ba'im yecholim l'ilmod la sok batora bechol avodav le'atzlir ba. Et ils ont une réussite en général dans n'importe quel travaux que tu leur donnes. Ils n'ont pas de spécificité comme d'autres mazal, où eux, c'est plus comme Maudim, les métiers de Shrita, de Brit Mila, de. Eux, dans n'importe quel domaine, ils peuvent briller. Ils peuvent passer du téléphone au balai. Je plaisante. Ils peuvent passer dans n'importe quelle branche de métier. Ils sortiront toujours, parce que ce sont des gens brillants en études, des gens brillants parce qu'ils comprennent vite. Kéorim, on fait les Mechantrim. Mechantrim, ce sont les gens éducateurs, les parents. Ben oui, on va le faire. Ils adorent éduquer les enfants dans l'indépendance. Soyez indépendants dans ce que vous êtes. Et ils ne supportent pas qu'on leur mette des barrières. Fais pas, dis pas, mange pas, parle pas, rote pas. Lâche-le. Sheyu atzmaim b'ptuchim. Ils veulent en général une éducation pour leurs enfants qui soit ouverte et sans limite. Vechovshim, libre. Lâche-lui les baskets. Belomisgeret, sans barrière. En général, ce sont des gens qui laissent une éducation très large. Le petit bâton est par la fenêtre. Chemichement. Noksha o Akbala. Ils n'aiment pas qu'on leur mette des limites. Vechen, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment voir le potentiel des autres pour l'analyser. Mais est-ce que c'est bon ou pas? Là-bas, elle me dit au fond, bah oui, c'est exactement ça. Bah oui, mais est-ce que c'est bon ou pas? C'est là qu'est toute la question. Et c'est pour ça qu'ils arrivent très facilement à devenir comme une espèce de grande sœur pour leurs propres enfants ou comme une amie. Ils arrivent à descendre de parents à ce niveau-là. Ils adorent étudier avec leurs enfants, savoir ce qu'ils ont appris, s'asseoir avec eux, jouer avec eux. Itam, beaucoup d'analyses sur eux, beaucoup d'analyses sur les enfants. Itam et Misrakim, Asher Gomim et Slop Nimit. Leit paretz velit parcer, leit rafes al et avar. Et pourquoi? Ce sont des gens qui bizarrement règlent beaucoup de choses à eux à travers leurs enfants. Très bizarrement. Il dit ici, dans l'éducation qu'ils donnent, ils reviennent souvent sur des parallèles avec leur vie à eux quand ils étaient jeunes. Très souvent, ils ont se rappellent leur enfance à travers leurs enfants et ils mêlent constamment ça à l'éducation de leurs enfants. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas, parce qu'apparemment, si ce sont des gens qui ont été limités, alors ils vont être encore plus exagérés pour l'éducation de leurs enfants en disant « Ce ne sera pas ce que moi on m'a fait. » Ça, ça peut être valable pour tous les autres. « Tzarich la'avor al-midat tikkun » On passe. Le tikkun, bon, vous savez compris, vous avez compris. « Tzarich la'avor al-midat asavlanut liyot savlan » Savlan, savlan, la patience, c'est ce qui leur manque le plus. Vetamid les Chanen a pasou kol et leur verset. Alors, carrément, vous avez un verset pour vous, mesdames, hein, puisque vous êtes de ce signe ici présente. Votre langage devrait être toujours basé sur kol akava letova. Kol akava letova. Tout retard est pour le bien. Je connaissais une personne qui était de ce mazal et elle voulait se marier avec un mec et le mec il a un peu tardé. Et elle avait du mal à dire à cette époque « Kala kola kaval et tova ». Bah, sauf c'était pour se marier avec, au temps opportun, dessiné par les cieux. « Kola kaval et tova ». Et tzarich lishmor velizer bekoach hadibur. Et c'est pour cela que ces gens-là, comme ils sont très impatients, devront faire très attention à la puissance qui est dans leur bouche. « Bekoach hadibur » comme les patpètes, à cause de leurs propos qui patpètent. Les patpètes, c'est déblatérer toute la journée. « Yashkia belimud à Torah ». Car la langue a été créée pour parler de Torah. Donc, devenir vraiment spirituel. Et de faire très attention à surveiller constamment leurs nerfs, parce que dès que les nerfs sont atteints, leur langue peut faire très mal. Ils peuvent sortir des mots très blessants, et là, ils savent approfondir les défauts de l'autre. Et avoir un midat agaava, car que la Torah est l'orgueil du peuple juif, shenemar Adonai malar geout lavesh. Le vêtement de Dieu, c'est la Torah. Et il est appelé l'orgueil de l'homme. La Torah n'est pas orgueilleuse, mais elle est l'orgueil et la fierté de notre peuple. C'est elle, notre potion magique. Et donc, comme ils sont nés dans ce mois-là,
Ils disent Yaavod al midat agava. Travailler énormément la notion de gava. Et pourquoi? Parce que comme ce sont des gens qui sont chad, c'est-à-dire pointilleux en général, j'ai fait ce que j'avais à faire, t'as rien à me reprocher, ça peut très vite éclater. Donc, anava. C'est en général le premier argument, t'as quelque chose à me reprocher. Tu te prends la tête avec eux, t'as quelque chose à me reprocher. La maison n'était pas propre, les verres n'étaient pas à leur place, monsieur n'a pas mangé. Est-ce que c'était pas assez chaud? C'est des moindres détails. Ça te fait rire. C'est ça que tu dis toi aussi? Bon. Gorem et lo, le tsara blitzo, qui dit Yavon mitat agava garoua, asher pa'amim, gorem et lo, le tsara ve tsuka. Car elles peuvent aller très loin jusqu'à provoquer vraiment un tsunami à la maison. C'est le cas de le dire. J'avance. Leur pierre. L'émeraude. Quelle est sa ségoula? L'émeraude, c'est une pierre qui est verte, vous le savez, très belle pierre. J'aime beaucoup d'ailleurs cette pierre, même si la plus belle des pierres, vous savez, c'est laquelle? C'est le diamant. On y arrivera puisque ça correspond à quel symbole, le diamant? La Bétoula, la Vierge. Oui. C'est le diamant, elle a des remèdes en elle de porter un diamant. Si les gens connaissaient la valeur du diamant, les femmes porteraient tous des diamants sur elles. Hein? Le diamant a une grande force en elle. C'est une pierre qui influence énormément autour de nous. Mais l'émeraude aussi a ses qualités, on va les dire tout de suite. Even tova livne mazal teumim zeu even bareket. Bareket, c'est l'émeraude, on a déjà dit. Shenot setset ke barak. Et pourquoi on appelle bareket? Parce que elle est brillante, quand la lumière brille sur elle, elle dégage des rayons de lumière, des nitsotsot, comme on dit, des étincelles de lumière. Voilà. Tu vois, bareket qui vient du mot barak, qui veut dire en hébreu éclair. Elle dégage des éclairs dans sa magnificence. Et c'est marrant parce que j'ai regardé tout à l'heure sur Internet les images émeraudes, et c'est vrai qu'il y avait une lumière comme ça sur l'émeraude, et vraiment tu vois des projectiles de lumière. Kebarak omeira, kemo ner balayla, car ce sont des gens qui sont forts la nuit comme le jour, ner balayla, qui brillent comme dans la nuit, keneget shevet levi shayatami dosek batora yomam balayla. Et c'est pour ça que c'est la tribu des Lévi qui les représente aussi, car la tribu de Lévi étudiait la Torah le jour et la nuit, et l'émeraude se voit très bien aussi bien le jour que la nuit. Tu prends un diamant par exemple dans la nuit, tu ne le vois pas spécialement bien. L'émeraude dans la nuit, tu le vois très bien. Ça brille. C'est vrai? Donc c'est la pierre qui représente. Omasbia et Tatsmo bedivrei Torah, vechem Moshe Rabbeinu ayam shevet Lévi. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'est dévoilé pour le peuple d'Israël dans sa grandeur le mois de Shvat, de Sivan, venu de la tribu de Lévi, Kshenolad, Menit Malé Abayit Ora. C'est pour ça qu'il est né le mois de, certes, du mois de Hadar, mais quand il est né, comme il est né pour donner la Torah, le jour de sa naissance, le 7 du mois de Hadar, qui est aussi le jour de sa mort, eh bien, la maison s'est remplie de lumière, et cette lumière, c'était la lumière de l'émeraude, comme vous l'avez compris, parce que c'était la nuit. Zgulata, celui qui la portera, aura, l'enoseota, alav zoche shiyeme irenaim bechokhmat. C'est une pierre qui donne une faculté aux yeux de l'homme de mieux comprendre les situations. L'intellect de l'homme, mais chokhmat petit, c'est-à-dire de l'homme pas très intelligent, en portant cette pierre-là, pas sur lui spécialement, ou dans son cas, ou peu importe où il la portera. V'etor'il et natsach et taouyev. C'est une pierre qui a pour force de faire tomber nos ennemis. V'goremet la adam l'achlom chalomot tovim. Et ça fait faire de beaux rêves à une personne. Cette personne fait des cauchemars. Vous le prenez une petite émeraude, vous le mettez sous l'oreiller, par exemple, ça provoquera des bons rêves et pas des mauvais rêves. Dougma. Veshomeret et Adam et Ezek ou Meraamim, et ça peut protéger l'homme de certains dégâts et de la peur des Réamim du tonnerre. La peur du tonnerre, si c'était le cas. Non? Voilà plus ou moins ses qualités. Ensuite, Anola de Mazal. Après, c'est les couples, ça on n'en parle pas, vous le savez. Teomim, Tiv'o, Kochav, Ham, Lach, Meir, Beda'at, Afilu, Achi, Chacham, Venavon, Umimidot, Tovot, Saaro, Ve'enav, Shchorot, Metzach, Aroch, Nekev, Apanim, Shishrok, Shinav, Gedolot, Veraglav, Arukot. Ça fait un peu mutant, je ne vous traduirai pas, on avance. Ce n'est pas important. Tiv'o, Kochav, Ham, sont des gens en général qui ont un tempérament chaud,
qui ont de très très bonnes midot, qui sont naïm, qui sont agréables en société. Après, on nous parle de leur physique, je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Lev, l'ilmod ou malé simcha, ils adorent étudier, ils sont des gens qui aiment étudier, qui aiment apprendre. Malé simcha, qui sont remplis d'une joie de vivre, il ne faut jamais le leur retirer. Bechol melacha, dans n'importe quel domaine, ils savent briller. Ve'ohev, ou mikol makom matzliach arbe ve'gam yafsid, mais ce sont des gens qui, dans leur mazal, gagneront beaucoup et perdront beaucoup. C'est, ils ont une vie très en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un peu comme tout le monde, ne vous inquiétez pas. Ohev yerakot, ils adorent manger les légumes, les salades, vechol davar yafé. Et tout ce qui est beau leur parle. Des vrais lapins. Alors, ça c'est mes commentaires, hein, c'est pas marqué. Hein. Navanadiye, ce sont des gens qui sont un petit peu navanad. Les gens du désert, comment on appelle ça les... Voilà, navanad c'est nomade. Ce sont des gens qui bougent beaucoup d'endroits en général. Navanadiye. Ils sont à droite, après ils vont à gauche, ils changent de pays, ils changent de quartier, ils changent beaucoup, ils cherchent énormément de choses. Ce sont des gens qui ont constamment besoin d'avancer. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as la Torah, tu dois constamment avancer. Ils sont nés pendant le mois de la Torah, ce sont des gens qui ont besoin d'évoluer. Hein ? Comme dans le caractère. Vous connaissez quelqu'un qui ressemble à tout ça ? D'accord, c'est ce qui me semblait. Voulez-vous venger ? Voulez-vous prendre le micro ? Alors, ce sont en général des gens qui aiment la beauté féminine. On passe le reste. Hein ? Pour les femmes, ce sont des... Alors, pour les femmes, c'est exactement la même chose dans le sens contraire. Ce sont des gens qui aiment la beauté de façon générale. Ils aiment ce qui est beau. Ils aiment les choses propres, carrées. Ce n'est pas des gens balaganistes. Ce n'est pas des gens qui se porteraient une maison renversée, pas du tout. Pas leur cas. En général, c'est pas leur cas. C'est ton cas ? C'est pas ton cas. Hein ? Je sais pas, dès que je rigole, t'éclates de rire. Hein. Ah, très bien. La montagne du Sinaï était remplie de fleurs. Des gens qui aiment la beauté, qui aiment la nature. Ils adorent la nature. Ils mangent des légumes, ils vivent dans la forêt, ils mangent des champignons. Ces gens avec des pattes d'éléphant, un joint, c'est pas vrai. Hachati Yamav. Mais après, à la moitié de leur vie, en général, ce sont des gens dont le mazal monte très haut, qui deviennent riches. Ils montent. Enfin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont marqués à la moitié de leur vie, quoi. Une chose que je ne peux pas vous lire, donc on passe à autre chose. Ce sont des gens en général qui sont beaux d'apparence, plaisent en tout cas. Donc ça c'est encore autre chose, c'est pour les femmes, je finirai juste avec ça, il est déjà tard. Voilà, pour les femmes, Teomim Nekeva Kezachar Becholi. Ce sont des gens qui, à la fin, au niveau des maladies, il dit ici, je vous dis juste deux, trois trucs pour ne pas vous effrayer. Mizrotav, problème de jambes, de mains. Non, pas de jambes. Bras, mains, dents et sang. Problème de sang, sanguin. En général, c'est plutôt leur côté à eux. Nekeva Teomim, Nekeva Kezachar Becholi. Homme pour femme, il dit que c'est exactement pareil. Ce sont des, chez les femmes, des gens très méfiants. Très très méfiants. Ce sont des gens qui sont très peu aidés par la famille en général. Voilà. Vous avez des questions ? Vous savez, la force d'un enseignant, c'est pas de dire de bonnes choses. La vraie valeur d'un enseignant, c'est de savoir ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Parce que, chas v'shalom, on est dans une génération où on a eu beaucoup de malheur à la Shoah, mais on avait des raisons d'être malheureux. On voyait les gens qu'on aimait mourir devant nous, les enfants étaient arrachés à leurs parents. On nous a éventrés, on nous a jetés dans des fours crématoires. On avait des raisons, malgré tous les malheurs, d'être malheureux, à la limite d'être en colère, peut-être révolté, j'en sais rien. Dans cette génération, c'est très dur ce qu'on vit.
les gens ne sont pas heureux alors qu'on a tout. On a tout. Chacun de nous avons des problèmes. Lui, il est bourré de zèle, il n'a pas de femme. Celui-là, il est bourré de zèle, il a une femme, il n'a pas de gosse. Celui qui a une femme et des gosses, il n'a pas d'oseille pour les nourrir. On a tous notre lot de souffrances, Alice, et longue. Et il serait bon, Ezrat Hashem, pour comprendre une fois pour toutes que si on ne comprend pas, si on ne s'attache pas aux valeurs de la Torah, on finira automatiquement par oublier tous les bonheurs qu'on a. C'est-à-dire que, tout à l'heure, j'étais avec une personne qui n'est pas mariée, qui pleure profondément parce que l'âge avance et elle n'a toujours pas de mari. Elle se réveille tous les matins, tous les soirs. Elle n'a jamais connu un mari. Mais par contre, elle gagne très très bien sa vie. 4 800 € par mois. Et elle m'a répondu, à quoi ça me sert? Je voyage, voilà, je voyage. Voyage, voyage. J'ai été me voyager, elle me dit, pas du tout. Ça me saoule. Il y a des gens qui, l'or à l'élevé, l'or à l'échem, portent des situations désobligeantes. Mais nous, grâce à Dieu, pour certains parmi vous, en tout cas, vous avez le mari à la maison. S'il n'y a pas de mari, vous avez des enfants. Je connais un couple qui sont mariés, ils s'adorent, hein, ils n'ont pas d'enfants. C'est un avraire, ici, qui étudie la Torah. Et chaque fois qu'on fait une fête, comme pour Pourim, pour ceux qui veulent s'inscrire d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, l'avraire, il me dit, je peux amener mon fils? Il rigole jaune, parce que il n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est de qui je parle. Il a tout. Il a sa maison, sa voiture, une belle voiture américaine, une femme magnifique, mais il n'a pas de gosse. Et il me dit, à quoi ça me sert? Si, chas de shalom, on ne voit pas qu'on a notre femme, qu'on a un toit, qu'on a nos enfants, si on ne s'attache pas au bien de ce monde, on perdra aussi ce qu'on n'a pas eu. C'est pour ça que, sans faire de comparaison entre chas de shalom, rien n'est comparable à la Shoah, qu'on se comprenne bien, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a amplement de quoi dire à Dieu, je suis heureux. Comme par exemple, je vis en Israël. Moshe Rabbeinu, tu aurais dit, je te prends tout, je te laisse en Israël, tu dis, banco, prends-moi tout. Rabbi Moshe Deri m'avait dit un jour, prends-moi tout sur terre. Laisse-moi nu au milieu d'un désert, mais laisse-moi juif. Je lui ai dit à l'époque, ça veut dire quoi? Votre joie de vivre, elle est basée sur ça? Je ne comprenais pas. Il m'a dit, mais tu sais ce que c'est, juif? Si on ne se concentre pas sur les bonheurs que Dieu nous donne à côté des malheurs que l'on subit, ou que Dieu nous donne comme réparation, on n'aura pas de raison de donner à Dieu de nous donner plus. Rabbi Nachman de Breslev, j'en ai parlé ce matin avec les vos maris, ceux qui viennent en tout cas à l'étude. Tagidu todal mashayesh, et vous verrez que Dieu vous rajoutera. Aval mamash mikol alev. Mamash mikol alev. Et ze koach hadibur shelanu. C'est ça la force de notre comportement. D'être positif. Le Rav Dessler nous dit qu'à la fin des temps, la positivité de la Emouna sera la dernière épreuve que Dieu nous demandera pour apporter le Melech HaMashiach. Commençons à positiver Bezrat Hashem. Commençons à voir le bon côté des choses. Baruch Hashem, Aninoshem. Baruch Hashem, je respire. Baruch Hashem, j'existe. J'en parle dans tous les cours parce que c'est sûr que moi, on ne m'appelle pas pour me demander comment je vais spécialement, ou me dire ma femme, c'est une bombe, j'ai gagné l'auto, mes gosses sont en université, sont tous rabbins, ils sont tous mariés, tout va bien. En général, on vient me voir pour me dire ce qui ne va pas, pour essayer de voir comment on peut arranger les choses. Mais j'entends rarement des gens qui me disent « Baruch Hashem, là ça va là, et là il y a un bug. » En général, quand les gens viennent me voir, c'est, de façon générale, je critique personne, c'est juste un état de fait. C'est « Tout est noir. » Et quand je pose des questions, je vois que c'est vachement blanc. Juste là, ça ne va pas, c'est pas grave. On fait avec. « Baruch Hashem, tu as des enfants, tu as un mari, tu as une voiture, tu as un toit, mais danse, tu es en Israël, tu sais ce que c'est ?» Où tu étais avant? Regarde où tu es aujourd'hui. Le travail, ça va pas. Truc, ça va pas. Avec lui, ça va pas. De façon générale, die. Il y a une femme qui m'a dit, mon mari m'a giflé. Je me dis, t'en compte, t'as un mari? Non, c'est une blague, mais... C'est une blague. Mais je veux dire par là que... Bezrat Hashem, la histoire, bien sûr, un mari qui frappe sa femme, il est nidou, c'est strictement interdit. Alors, juste pour vous dire simplement que... Bémet. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, si tu veux que Dieu te rajoute dans ce monde... Commence à danser d'abord sur ce que tu as. Dans l'Aïd Bodedou, j'ai dit ça ce matin, tu l'entendras dans le Shiur. La première des choses quand on veut parler à Dieu, c'est de commencer par dire Toda ce qu'on a. Après, de dire ce qui ne va pas chez nous vis-à-vis de lui. Et seulement après, tu peux demander. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Et tu verras que tu auras.
לכן שלכם גאולה שלמה והרבה שמחה. כל טוב.